Sur SIG 2015, j'ai le plaisir de recevoir David Talabardon. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes porteur de l'offre en fait SIG au sein de Capgemini France. Et avec vous, on va voir en fait cette proximité qui n'est pas toute neuve d'ailleurs avec Esri, bien au contraire, mais ce développement en fait progressif de cette offre du SIG. Donc ça remonte à quand exactement ? Alors chez Capgemini, on fait du SIG depuis plus de 20 ans. Donc ça a commencé par la façade atlantique, hein, pour des besoins liés au transport maritime ou à l'océanographie. Et on est aujourd'hui 150 collaborateurs dédiés à l'information géographique. Donc tout ne s'est pas passé de façon aussi simple. Donc on a démarré il y a 20 ans sur deux sites géographiques. Et depuis 5 ans, on a créé une véritable entité dédiée à l'information géographique, composée de différents corps de métier, venant de l'intégration SI avec une sensibilité particulière sur la dimension spatiale de la donnée. En deux mots, nous sommes des géo-informaticiens. Voilà. Donc cette entité a véritablement pris forme il y a 5 ans, donc basée aujourd'hui sur 3 sites géographiques, avec une position de plus en plus forte sur Paris, et nous sommes en perpétuel recrutement pour suivre la tendance et la croissance du marché. Oui, un pôle donc qui devient devenu un pôle d'excellence. Vous avez des relations qui sont très très fortes avec Esri, Esri France notamment. Vous êtes partenaire intégrateur Gold, c'est cela ? Exactement. Donc on a officialisé une histoire de longue durée l'année dernière, justement au salon SIG 2014 avec Esri France, où on a signé justement ce partenariat de niveau Gold qui fait de Capgemini aujourd'hui le premier intégrateur généraliste sur le SIG de niveau Gold. Il faut savoir qu'on adresse aujourd'hui tous les secteurs d'activité. On a des activités dans le secteur de la défense, Energy Utilities, bien entendu, les transports, les télécoms, mais aussi les collectivités et tout un ensemble d'organismes publics. Et vous intervenez donc sur l'intégralité du territoire français, mais pas seulement, parce que en fait, votre excellence en fait, a dépassé les frontières hexagonales et maintenant vous amène à aller dans d'autres pays. Exactement. Donc à 150 collaborateurs en France, on est aussi au sein du groupe Capgemini, hein, composé de 180 000 collaborateurs, on est aussi le porte-drapeau de l'information géographique au sein du groupe. Et aujourd'hui, on travaille avec nos collègues de Capgemini Suède, Capgemini Australie, Capgemini US, qui viennent chercher cette expertise des produits SRI qui sont en France et qu'on met à disposition de tous nos collègues du groupe. Alors, parlons un petit peu de ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, en fait, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez, en citant peut-être quelques exemples. On va commencer par la géolocalisation indoor, c'est un nouveau thème, une nouvelle thématique. Vous avez déjà une première expérience en la matière ? Tout à fait. Donc, au sein de l'offre SIG, qui est quand même assez vaste, nous avons plusieurs pépites qui se dégagent. La géolocalisation indoor est aujourd'hui un sujet vraiment sur le début de son cycle de vie. Pour donner un exemple et illustrer rapidement, nous avons des activités aujourd'hui avec Defacto, l'organisme qui gère le secteur de du secteur d'affaires de la défense. Et on accompagne les équipes Defacto à mettre en place tout un ensemble de bornes sur l'ensemble de ce territoire, notamment pour identifier les escalators défectueux et repousser l'information aux personnes à mobilité réduite. Ce n'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres derrière à aller chercher. D'accord, ok. Une autre préoccupation, un autre thème sur lequel vous intervenez, ce sont des Smart Cities par exemple. Alors les Smart Cities, en effet. Il faut noter que l'offre SIG de Capgemini est très fortement connectée à l'offre Smart Cities que nous on appelle en interne territoire connecté et numérique, qui va bien entendu consommer de la donnée cartographique pour représenter des objets et faire en sorte que les systèmes d'information de tous ces territoires communiquent ensemble, notamment au travers d'une carte. Vous parlez de données en fait et d'analyse. Les données deviennent de plus en plus volumineuses. L'analyse en fait sur des big data, sur des grands niveaux de données, c'est aussi une préoccupation. Vous avez un exemple également à citer là-dessus. Alors j'ai plusieurs exemples, certains dont je ne pourrais pas parler malheureusement. Moi j'aime bien parler de géo big data dans la mesure où aujourd'hui on analyse des volumétries importantes de données structurées et déstructurées que l'on arrive à corréler justement par l'information géographique. Je peux vous donner l'exemple du groupe Randstad pour qui on travaille aujourd'hui. L'idée en deux mots, c'est vraiment de croiser
le marché de l'offre et de la demande et zoomer jusqu'à la région en passant par le département et à la commune pour trouver justement la bonne offre correspondant à la localisation de la bonne demande et inversement. Comment ça se passe exactement, David, en fait, quand vous avez un client qui vient vous voir, c'est vous qui leur suggérez des voies d'analyse ou c'est eux qui viennent avec une idée précise et vous les accompagnez en fait dans le développement, dans l'intégration? Alors les deux solutions existent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au sein de Capgemini, on a aussi tout un tas d'outils industriels ou accélérateurs justement des prises de décision. Donc on a nos fameux réseaux de lab innovation hein, situés dans différents points stratégiques en France. Donc à partir d'une idée qui peut émerger lors d'un rendez-vous, lors d'un déjeuner, on peut aussi très vite le prototyper, le rendre concret justement dans notre lab innovation et donc accélérer justement le projet industriel qui verra le jour derrière. Et ce sont des portées en fait, quand vous parliez du groupe Ramstadt par exemple, c'est un travail qui est mené en France mais qui va être porté à l'international. Exactement. Aujourd'hui l'idée c'est de faire un premier projet au niveau de la France pour l'étendre derrière sur l'ensemble du territoire géré par ce client. Comment vous abordez en fait les thèmes autour de la mobilité à l'heure actuelle? Alors la mobilité, c'est un sujet qui a déjà un petit peu d'âge. Aujourd'hui, Capgemini a réussi à déployer une solution mobile SIG, SRI, notamment au sein de GRT Gaz depuis déjà plusieurs années. En fait, aujourd'hui, l'ensemble des agents de maintenance utilisent une solution de mobilité qui va consommer de la donnée SIG, qui va permettre de faciliter des interventions sur le terrain, mais aussi de remonter des annotations. Et donc tout ça pour mettre en qualité au quotidien l'ensemble du référentiel de données. Qui mieux que des agents de terrain peuvent mettre en qualité de la donnée géographique? Alors 150 géo-informaticiens font partie de votre pôle. Vous espérez d'ailleurs en fait, hein, qu'ils soient un peu plus nombreux. Et je pense en fait votre besoin de recrutement est très très fort à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous analysez cet essor en fait de la géomatique qui va atteindre y compris en fait des connaissances auprès du grand public? Est-ce que c'est quelque chose qui est porteur pour vous, qui est porteur en fait pour développer encore un peu plus votre pôle? Tout à fait. Il y a vraiment un côté visible de la géomatique aujourd'hui qui a été vulgarisé par plusieurs acteurs SIG très célèbres. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, nous on recherche vraiment des géo-informaticiens, pardon. On a vraiment besoin de faire rentrer la dimension géographique dans le système d'information. C'est-à-dire qu'on va faire communiquer une solution de GMAO, une solution de CRM, un ERP, de la BI avec des solutions SIG. Donc créer encore plus de valeur en donnant un autre angle de vue à l'information par la carte, la 2D ou la 3D, voire même la 4D si nécessaire. Et tout ce qui a trait au SIG participatif, au SIG beaucoup plus ouvert, en fait, c'est quelque chose qui peut y parvenir, y aider, en fait. Exactement. Très bien. Merci, David, pour votre participation. Bonne conférence, en fait, SIG 2015. Merci à vous, Xavier, également. Et merci de votre attention. À bientôt sur SIG TV. Au revoir.